Bonsoir à tous. Mariam, bonsoir. C'est le retour, Maria. J'espère que l'épaule va bien. En tout cas, merci d'être là. Bah ouais, bonsoir, Ginette, bonsoir, Irène, bonsoir. Christelle, salut. Ce soir, je ne suis pas en retard. Connexion au point. Mireille, bonsoir. Fabre, Johanna, Valérie, Cécile, Carole. Merci d'être connecté. Bonsoir. Myriam, Mylène, Maria, Caroline, Françoise, Bernard, Mathias. Je remonte dans la liste parce que je pense que je suis passé à côté de certaines personnes. Il y a Valérie, Cécile, Carole, Mathias, donc Victoria, Caroline, Françoise, Christine, Nadège, Myriam, Brigitte, Sandrine, Camille, Sandrine, Frédéric. Bon, bah, c'est cool. C'est cool, il est 17h55, on est à l'aise, on a 5 minutes avant de démarrer ce soir. Rosita, bonsoir. Patricia, bonsoir. On n'a rien besoin, hein. C'est toujours des séances au poids de corps. Bonsoir Bruno. Donc pas de matériel particulier, pensez juste au moins à la serviette pour vous éponger parce qu'il fait pas froid aujourd'hui. Hein. Et puis la gourde évidemment. Si vous pouvez, Dominique, bonsoir, Laurence, bonsoir, Valérie, bonsoir, Catherine. Bonsoir Paco, Boken, Johan, Isabelle, Sylvie, Laurence. Sana, je pense que c'est le prénom. Karine, Natacha, Cécile. Bon, c'est cool, Nancy, bonsoir. Allez, c'est très sympa de vous connecter, Jean-François. Donc ce soir, c'est donc une séance où on va alterner les efforts à la fois de la motricité, c'est-à-dire qu'on va se déplacer. Alors évidemment, selon l'espace dont vous disposez, s'il n'y a pas d'espace, j'ai prévu pour faire des choses bien sûr sur place. Si vous avez la possibilité de vous déplacer, c'est mieux. On pourra faire pas mal de petites choses. On va alterner la force, donc le travail profond, avec le travail plus ou moins explosif en fonction de votre niveau et des options que vous allez pouvoir choisir. Donc voilà, et le tout, c'est de travailler sur un ensemble encore une fois. Mais quelque chose me dit que ça va monter en température. Je dis ça, je dis rien, mais je le pense. Salut Valérie. Mais t'es arrivé cet après-midi de commencer à songer un peu à un éventuel rassemblement, parce qu'on voit que les choses semblent s'organiser quand même pour qu'il y ait un avenir. Alors, moi, je ne le vois pas tout de suite, mais bon, non, pas trop longtemps non plus, et je me dis que ce serait quand même bien qu'on commence à envisager peut-être un lieu quelque part en France, là où on voudra bien nous accueillir, pour commencer à organiser un truc et peut-être se rassembler avant l'hiver prochain, donc ça serait chouette, ça serait très très chouette. Salut Laetitia, Marido, bonsoir. Allez, on n'est plus très très loin du top départ, il est 17h58, ça permet à ceux qui arrivent encore de se connecter progressivement. Bonsoir Agnès, bonsoir Béatrice. Vous êtes nombreux à me le demander d'ailleurs, ce rassemblement. Hein. C'est chouette. Hein. C'est très très chouette. Ça serait vraiment bien qu'on arrive à faire un truc qui soit sympa, où on puisse se rassembler, partager, peut-être imaginer une belle séance, voire plusieurs séances. Un réveil musculaire sur la plage. Ça serait pas mal. Allez, il est quoi ? Il est pas 17h59. Bon, ce rassemblement, apparemment, ça vous motive, mais on en reparlera. De toute façon, on aura le temps d'évaluer les choses, les lieux, de pouvoir sonder un petit peu la période et tout ça. Donc, mais ça sera bien. Ça sera peut-être l'aboutissement un peu de notre aventure. Allez, 17h59. Ça sera l'aboutissement de notre aventure, mais aussi peut-être un renouveau, entre guillemets. C'est-à-dire se dire, ben voilà, on repart sur une forme de liberté et certainement solidaire, parce qu'on aura vécu tout ça proche les uns des autres. En tout cas, avec de l'engagement et de la transpiration. Enfin, je parle pour moi, parce que vous, je pense que
Vous ne transpirez pas. Christelle, mais ça fait longtemps, Christelle, mais où étais-tu? Allez, 18h, check de la journée, check de la semaine, on commence. C'est parti. À partir de maintenant, plus aucun cadeau ne vous sera fait. Comme ça, c'est fait, c'est dit, c'est annoncé, direct, ça motive. Allez, on va partir avec les jambes. À l'écart, alors écartez bien les jambes, ça c'est important en ce début de séance. Vous sortez bien la poitrine, vous serrez bien les abdos, vous relâchez bien, bien, bien les épaules et vous allez monter simplement les bras. Prenez le temps d'inspirer. Progressivement, vous redescendez, vous soufflez. Alors, je n'ai pas salué, hein. Il y en a beaucoup qui nous ont rejoints sur le groupe là. Bonsoir à vous si vous êtes là ou si vous serez là en replay. Merci de nous avoir rejoints. Inspirez, étirez, relâchez et soufflez. Top, vous allez enrouler les épaules. C'est de bien accompagner le mouvement. Voilà, très très cool sur le tonus musculaire. Bien engagé au niveau du transverse, bien engagé au niveau du périnée. Trois fois, deux fois, une fois. Ensuite, on va lever le bras droit. On inspire, on redescend, on expire. La même chose de l'autre côté. Encore deux allers-retours comme ça. Et on va poursuivre le même travail, sauf qu'on va aller un petit peu plus vite. On va switcher tout de suite les bras. Lorsque l'un monte, l'autre descend. Et quand il y a un mouvement de bras, il y a inspiration. Et sur l'autre mouvement, il y a expiration. Allez, j'inspire et je souffle. Qu'est-ce qu'il est chaud, ce prof. Je te jure, il ne peut pas faire des phrases simples. Il va chercher toujours des phrases. Abracadabrac. Allez, quatre fois. Trois fois. Deux. Parfait, la toute dernière, top, on revient, on enroule à nouveau les épaules. Vous allez déplacer le poids du corps sur la jambe droite, sur la jambe gauche. Si vous commencez, je vous invite à placer les mains au niveau des hanches. Si vous êtes à l'aise, vous allez monter un bras au-dessus de la tête de façon à ce que ce bras vienne se placer dans l'alignement. Buste, hanche, jambe. Encore quatre. Allez, sentez bien la flexion au niveau des cuisses. Prenez le temps dans l'inclinaison. Parfait. Ensuite, vous allez revenir ici avec les bras en croix. Vous allez revenir tranquillement avec les bras vers le bas. Une main passe devant le bassin, l'autre derrière. On remonte et on switch la position des bras. Inspirez. Alors, pour la main qui passe derrière, essayez de faire une rotation de la main. C'est-à-dire que la paume de main va regarder vers l'arrière. Je peux voir, ça descend. Hop, la paume de main, elle regarde vers l'arrière. Ça va, tu n'avais pas besoin de me faire voir, on l'avait compris. Hein. Inspirez, soufflez tranquillement, encore 6, 4 fois, 3 fois, 2, pensez toujours au relâchement de vos épaules. Hein. Ensuite, vous allez partir d'ici, vous allez effectuer des grands cercles alternés. Et j'ai fait un début de séance chorégraphiée ce soir. Très bien, je monte le bras, j'inspire, même chose de l'autre côté. Faites attention juste à ne pas lancer le bras. Essayez de bien accompagner le grand mouvement, le grand cercle. Encore une. C'est cool. Et maintenant, vous allez me faire exactement la même chose, mais avec les deux bras. On monte les bras, on inspire, soleil, et on redescend, souffle. Très bien. Parfait. On y reviendra sur cet exercice-là dans deux secondes. Vous allez descendre un peu plus bas dans les jambes, vous stabilisez bien le bassin, et vous allez faire l'hélicoptère qui tourne ses hélices. Sauf que le moteur de l'hélicoptère, il est là. Il n'est pas au niveau des bras, il est au niveau des épaules. Les hélices tournent parce que les abdominaux s'engagent. Allez, j'inspire d'un côté, je souffle de l'autre. Essayez de sentir que vous avez un bon alignement entre les deux bras. Les deux restent dans le prolongement l'un de l'autre. Encore une fois, le dernier. Maintenant, vous allez revenir sur le fameux cercle de bras, ce qu'on va essayer de le faire en allant chercher un peu plus bas au point de départ. Allez, j'inspire et je souffle. Excusez-moi, j'ai un tout petit souci technique à régler. Ah, ça va mieux. Encore. Allez, j'inspire bien, je souffle. T'as une touche comme ça, coach. Si tu pouvais monter le short sous les aisselles, ça serait aussi bien. Allez, trois fois. Deux fois, on ne rigole pas. La dernière fois, parfait, on enchaîne. Step out le poids du corps d'une jambe sur l'autre. Et vous montez le bras cette fois dans le prolongement. On passe à la phase un peu plus active. Alors, s'il y a des problèmes d'épaule, si en termes de coordination, ce n'est pas top,
Vous pouvez le faire avec les mains au niveau des hanches, hein, ou alors le faire avec le bras vers le bas, ce qui sollicite un peu moins les épaules. Ensuite, par contre, pour ceux qui sont à l'aise, ce que vous pouvez faire, c'est monter l'intensité avec les deux bras cette fois. Attention à ne pas aller trop vite. Et si vous voulez aller encore un peu plus loin, vous pliez à chaque fois dans les transitions. Allez, 4, 3, 2, parfait. On enchaîne sur du step touch. Petit step touch. Le maintien du corps, le sommet du crâne accroché vers le haut, relâchement des épaules, engagement des muscles posturaux. Donc, ça, c'est un dos relâché, ça, c'est un dos contrôlé. Mise en tension transverse périnée. Et si vous le pouvez, petit sursaut. Je suis content de passer ce début de semaine avec vous. Je suis pas sûr que ça soit un bonheur partagé à la fin de séance pour vous, mais ça, ça sera pour plus tard. Allez, on souffle bien. Encore une fois, on essaie de contenir ce galbe et ce maintien vers le haut. Et tous ensemble, en marchant, genou droit, genou gauche. Stimulez bien les abdos. Sentez qu'à l'appui ici, vous êtes ferme. Allez, contrôlez. Oups. Appuyez, travaillez bien sur les bras. Parfait. Les quatre dernières, les trois dernières, plus que deux. Et ensuite, on revient nous en petit sursaut ou en step touch si vous commencez ce soir. Allez, 10 petites secondes. 5 secondes. 4, 3. Alors maintenant, vous allez marcher en montant et en descendant les bras. À vous de réguler le rythme en footing ou un peu plus athlétique en montant un peu les genoux. Donc, si toutefois vous n'avez pas forcément l'habitude et qu'il y a beaucoup d'options et vous ne comprenez pas la vôtre, si vous démarrez ce soir, marchez sur place, essayez de vous concentrer sur le galbe, créez une dynamique avec les bras. Si vous êtes sur un niveau intermédiaire, vous courez en faisant un petit footing tranquille et vous contrôlez le rythme des bras. Et à l'inverse, si vous êtes à l'aise, vous montez un peu plus les genoux, ce qui va perturber d'ailleurs le maintien, hein, et créer vraiment cette dynamique par les bras. Allez, 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cool. Allez, check, check, on se prépare. Hydratez-vous si vous le pouvez. Et bon courage à tous. Ah, j'aime pas quand il annonce les débuts de séance comme ça. Alors, ce que l'on va faire, si vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous allez partir pied parallèle, buste droit, abdos serrés. Vous allez effectuer 4 flexions de jambes vers l'arrière. Si les flexions sont trop compliquées, dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est juste un dégagé. La jambe reste plus ou moins tendue et le travail se fait par la fesse en dégageant la jambe. Si vous le pouvez, petite fente, droite, gauche. Si vous êtes très entraîné mais que vous n'avez pas de place, grande fente, vous en faites 4. Lorsque vous en avez fait 4, 4 step touch, 2, 3 et 4. Et on repart. Ainsi de suite, 4, 4. Pour ceux qui ont un peu plus d'espace, vous allez avancer en avant cette fois. 1, 2, attention, je vais aller avant. 3, 4. Au terme des 4, vous pivotez sur le côté et vous revenez sur 4 pas chassés dans les jambes. On revient de face. 1, 2, 3. C'est réalisé sans effets spéciaux. Hein. On fait la même chose de l'autre côté et on revient. 1, 2, 3. Allez, on enchaîne. Hop, c'est parti. Prenez le temps de bien décoller les pieds dans la rotation. C'est important pour les chevilles, pour les genoux. Encore. Avouez que ça vous fait flipper quand j'avance comme ça vers la caméra. Des fois, on se demande s'il y a de la séparation. Il ne manquerait plus que ça que je traverse l'écran. Tiens. 1. Bonjour chez vous. 3. Et 4. On revient encore. 1. 2, 3, on effectue la dernière, les 4. Il semblerait que rien ne vous fasse peur ce soir et c'est de très bonne humeur. Parfait, on revient. On va travailler cette fois sur la latéralisation. Vous commencez, vous allez partir ici en appui sur point de pied, buste droit, abdos serrés, les mains au niveau des hanches. Niveau 2, niveau 3, faites pareil pour ne pas vous arrêter et pour compléter le travail. Et d'ici, vous allez simplement monter les genoux. Vous en faites 4 à la suite
sauf qu'on est sur pointe de pied, donc c'est très difficile de contenir un bon équilibre. Donc ça, je m'adresse à ceux qui démarrent ce soir, prenez le temps, ou à ceux qui ne veulent pas perdre de poids. Dans ce cas-là, misez vraiment sur le gap. Si sur pointe de pied, ça vous semble trop complexe, dans ce cas-là, posez les pieds à plat et ajoutez peut-être un peu plus les bras. À vous de choisir. Pour tout le monde, on en fait encore une comme ça. Très bien. Donc là, il n'y a rien de méchant. C'est surtout de la contrainte. Travaillez contre le déséquilibre. Pour ceux qui commencent ce soir, continuez si vous pouvez ou faites un break. Niveau 2, vous faites du 1, 2, 3 classique. 1, 2, 3 genoux. 1, 2, 3 genoux. À vous de moduler plus ou moins le rythme selon ce que vous êtes capable de faire. Niveau 3, vous êtes avec nous. Hein. On est là. On fait monter le cardio. Parfait. Et maintenant, on va faire la même chose, sauf qu'on va faire 1, 2, 3, genoux, transfert. 1, 2, 3, genoux, transfert. 1, 2, 3, et transfert. C'est le même, hein. Sauf qu'au lieu de le faire sur 3, on le fait sur 5. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, go. Et là, je m'adresse aux athlètes. Top niveau, parce que nous sommes tous des athlètes. Même si on débute ce soir. Mais aux athlètes top niveau, essayez de sentir, vous êtes bien dans la cadence bras-jambes. Hop, allez. Ah, ça y est, il va commencer à m'énerver là. C'est fou. Je tolère quand il parle beaucoup au début de séance. Alors, dès que je fatigue, je le supporte plus. Enfin, je suis sûr que même de ce côté-là, vous allez travailler votre endurance. D'ailleurs, si vous êtes capable de me supporter, je pense que vous êtes capable d'endurer beaucoup de choses. Allez, encore une fois. Cool. Et c'est reparti sur place ou en avançant. Les quatre fentes. Attention, je reviens. Cauchemar. Et c'est reparti. Je pivote. Coucou. 1, 2, 3 et 4. On enchaîne. Go. Quel mytho, il fait genre, il est soufflé. On a du temps. C'est la troisième, je pivote. Encore une fois. Dernière fois. Parfait. On va rester en actif. Soit vous revenez ici, step touch, soit vous remettez en actif, petit mouvement. On relâche les bras, on relâche les épaules, on souffle, on fait un check, hauteur, relâchement, engagement transverse pyrénées. Soufflez bien. Alors la suite, elle va être très simple. Sur le même principe de construction, je débute ce soir. 4 genoux, 1, 2, 3, 4. 4 dégagés. C'est pas compliqué, hein. 4 genoux la suite, 1, 2, 3, 4. Et 4 dégagés en restant sur place. Vous pouvez faire la même chose. En avançant, là encore, si vous disposez de suffisamment d'espace sur les quatre dégagés, vous reculez. Ah, j'ai compris son enchaînement. Cool. Ah, stèche en fait. Et vous revenez sur quatre stèches. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 step touch. Là encore, levez bien les pieds. Niveau 3, 8 genoux, pareil. On revient sur du petit pendulum. 5, 6, 7, go, allez. 5, 6, 7, 8, go. Ne change rien, 7 et 8, ça repart. Encore une fois, la dernière fois. Parfait, soit vous restez sur ce que vous venez de faire. Ici, actif, le regard. Fixez sur un objectif au loin. Soit petit footing, et là, votre objectif, renvoyez l'énergie vers le haut. Cherchez pas l'intensité, cherchez pas la cadence, cherchez le renvoi d'énergie. En mots, en traduction, c'est-à-dire que quand je pose l'appui, c'est pas lourd. J'ai la capacité musculaire de restituer mon énergie. Voilà. De pas dénaturer mon geste en mouvement. Niveau athlétique, on y va. Les bras, les jambes, go. Pointe de pied relevée. Allez, on souffle, on souffle, on souffle. Allez, 10 secondes.
faites un check sur la posture, sur les abdos, sur le périnée, sur le pied, sur le renvoi d'énergie, sur la dynamique des bras. 3, 2, 1. Pas le temps pour checker. Pas ce soir. Mais si, mais juste après. Revenez avec les jambes écartées. Je démarre ce soir, je descends un peu et je stabilise. Sortez la poitrine, serrez les abdos. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Niveau 1. Niveau 2 et 3. Plus bas. Inspirez, soufflez tout de suite. Laissez bien les fesses en arrière. Allez, descendez encore un peu plus avec les fesses en prenant soin de les orienter vers l'arrière. Continuez, faites juste attention ici à ne pas combrer. Donc, essayez d'avoir le dos plat. 6, 5, 4, 3, 2. On va rester là. Soit c'est trop compliqué et vous faites un break, vous remontez step touch. Soit vous enchaînez avec des petits là. Appuyez dans les pieds et appuyez surtout dans les talons. Sentez que par la pression des pieds, vous avez l'engagement au niveau de la sangle abdominale et l'engagement avec le rapprochement des fessiers. 3, 2, on remonte jusqu'en haut. Hop, on inspire. On descend, c'est reparti la même. 1. Alors, si vous cherchez vraiment l'appui dans le sol, intuitivement, ça va ralentir votre geste. Hein. Vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas être sur un exercice ressort. Top, on inspire. Forcément, l'implication musculaire ralentit le geste. Avant cet exercice-là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On redémarre. Sur place, 4 genoux ou les dégager, ou en avançant et les dégager, ou en dynamique. Rappelez-vous, c'est parti, 8 genoux. Un pendulum au niveau 3 ou step touch au niveau 2. Vous sentez un peu plus les cuisses là? Allez, 3 allers-retours. Ça, à la limite, c'est presque un exercice de récup. Hein. Il n'y a rien de méchant là-dessus. Dernière fois. On revient. Parfait. Alors, on va récupérer step touch ou petit sursaut. Pendant cela, vous essayez de glisser encore une fois, deux respirations. On inspire, on souffle. Encore une. Alors là, l'exercice qui vient, il est technique, mais il se divise encore une fois sur 3 options. Vous venez tranquillement placer les pieds parallèles. Quand on descend avec les jambes, on se rappelle, c'est toujours en cherchant à reculer les fesses. On descend une fois. Dégagez droite, bras droit, jambe droite. Rassemble les deux bras devant. Dégagez les jambes gauche, bras gauche. Option 1. À vous de choisir. Si vous êtes bien, même en niveau 1, vous pouvez vous permettre d'aller plus bas. Juste attention à une chose. Quand vous êtes sur la jambe d'appui là, déviez pas sur l'extérieur. Essayez de contenir l'équilibre. Parfait. Niveau 2. Eh bien, on va y ajouter une notion de déplacement droite et gauche. Donc, à chaque fois, je fais le squat, ce qui me permet d'effectuer un transfert. Niveau 3, plus explosif. Jump milieu, dégagez côté. Jump milieu, dégagez côté. Et à chaque fois que vous mettez le bras, checkez vos abdos. Allez. Ne vous débarrassez pas du bras, ne vous débarrassez pas de la jambe. Contrôlez votre exercice au mieux et jusqu'au bout. Ça fait 10, on peut s'arrêter. Il est comment le dos? Il est comment le périnée? Comment vous êtes tout court? Allez, 4 fois. 2 fois. Soit vous restez step touch, soit vous marchez, soit footing, soit genou athlétique. Allez, activez bien les bras. 10 secondes. Rappelez-vous la forme sur place ou en avançant. Prêt? 4, 3, 2, 1. Go! Oh, j'ai pas les mêmes cuisses que tout à l'heure. Allez, là, je fais un temps vraiment de reculer les fesses. Je ne fais pas juste un châssis qui permet de revenir. Non, je vais chercher la difficulté. Les fesses, comme si j'allais m'asseoir, recherche le déséquilibre. Ah,
Aïe. Ensemble. C'est ce qui nous caractérise. Encore une fois. Le retour. Très bien, on revient. On souffle. Expirez. Relâchez les bras, les épaules. Allez, ça doit piquer un peu. Si ça ne pique pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. 3, 2, 1. On revient ici. Cette fois, vous allez démarrer. Pour ceux qui commencent, les bras écartés à l'extérieur des genoux. Quand vous remontez, appuyez dans les pieds. Contenez votre posture. Serrez les abdos là. Et rapprochez les mains jusqu'à exercer une pression du bout des doigts. On inspire. On souffle. Niveau 2 et 3, ça va être le même. Vous allez emmener les mains derrière les fesses. Et là, vous allez tourner les paumes noires. On l'a fait tout à l'heure. Regardez le maintien au niveau du buste. Vous remontez à mi-chemin, les bras devant. Vous remontez jusqu'en haut, les bras au-dessus de la tête. Devant à mi-chemin, en bas derrière. Go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je rappelle, hein, vous commencez ce soir. Ça et ça. Et ça sera très bien, c'est le même travail. C'est polyarticulaire ça, hein. Ça c'est super bon pour progresser, pour dépenser de la calorie, pour prendre contrôle de son corps dans son intégralité. Allez, limite, je dis bien limite parce que c'est pas tout à fait vrai, mais c'est presque une récupération, hein. En tout cas pour l'impact cardio là. Ça nous permet de récupérer notre souffle. Parfait. La prochaine, soit vous briquez, soit vous restez à nouveau ici. Toujours comme tout à l'heure, 10. On appuie dans les pieds. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On bloque, on inspire. Serrez la ceinture. Et quand vous serrez la ceinture, associez la poussée dans les jambes à tout ça. On redescend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jusqu'au bout. Vous débarrassez pas. Inspire, souffle. Soit vous briquez là, soit on en fait une dernière. Inspire, sois fort physiquement, mentalement. 1, 2. Et là, c'est la fierté qui vous gagne. La fierté à contrôler les choses, à ne pas les subir, à ne pas les prendre avec l'impact direct, mais au contraire, à les détourner. On remonte. Très bien. Step touch ou petit sursaut tout de suite. Départ dans 10, 9. Vous voyez la volonté là? C'est là. On repart ensemble en avant. Retour, step touch ou pendule. Départ dans 4, 3, 2, 1, go. Papa! Je rappelle, hein, vous n'avez pas la place. Vous débutez, 4 genoux, 4 dégagés. Vous jouez du contraste de hauteur. Là, je m'adresse à ceux qui démarrent ce soir ou ceux qui sont dans 1 mètre carré. Et oui. Même team, même training, même consigne. Juste une adaptation. Voilà. Dernière fois. Et alors, avant de faire un petit break, rappelez-vous, le dégagé de côté. Squat, dégage, option 1. Avec, pas beau ce que tu fais, coach, avec le déplacement. Niveau 2, allez chercher peut-être un peu plus bas que tout à l'heure dans les jambes. Niveau 3, avec le jump. Quand le bras s'allonge ici, serrez les abdos. Hein. Laissez pas le bras flotter. Allez, si on était dans les arts martiaux là, ça serait ça. Hein. Les jambes sont mon rôle de parfait relou. Faites attention quand vous êtes sur le genou, là, ici en flexion, à ce que les genoux ne glissent pas. Ça fait 10. On peut s'arrêter là. Dernier. Je marche, trottine ou athlétique. Allez. Ah, je suis bien. J'ai les jambes lourdes, j'ai les jambes fatiguées.
mais je sens que de par ma volonté et la traduction des choses, je contrôle pour relancer. Et ça, c'est vous. Je ne vous connaissais pas avant, mais je suis sûr que c'est vous aujourd'hui. Ouais. 10 secondes. On est capable de relancer, même c'est un truc de fou. La limite, elle s'éloigne. 5, 4, 3, 2, 1. Ouh. Relax. Soufflez un peu. Hein. Allez, plongez-vous pour ceux qui peuvent le faire. Prenez la serviette. Alors avant de faire la dernière partie, avant de faire la suite de l'enchaînement, on va attaquer une dernière partie qui est de l'agilité. Agilité, réactivité. Là encore, je vous demanderai de respecter vos options. 3 options. Ce qui est important, au niveau 1, ou si vous ne cherchez pas à perdre du poids, c'est pas élever le rythme cardiaque. Dans ce cas-là, transformez l'effort plutôt sous le galbe et la force. Option, je démarre ce soir. Option, je ne veux pas perdre de poids. Au niveau 2, vous essayez de travailler juste sur la notion de relance au niveau de l'appui. Ce que l'on a fait ni plus ni moins en courant sur place, très léger. Travaillez sur la brièveté de l'appui sur le sol, de façon à ne pas vous affaisser sur les transferts. Niveau 3, vous allez engager votre corps. Vous allez essayer vraiment de sentir que vous êtes à l'unisson complet dans le mouvement. Et là, vous mettez de la brièveté, mais en plus de la dynamique. Vous allez créer vraiment un travail de rythme. On va travailler pour tout le monde en actif ici, surtout pour le niveau 1. Voilà, ça sera la phase de transition. Soufflez. Alors, le bassin, vous allez le contenir le plus possible dans l'axe. Pas totalement parce qu'il ne veut pas rester figé, mais essayez de sentir que ça ne twiste pas au niveau du bassin. Les abdos serrés, avec votre pardon, vous allez bien croiser en diagonale gauche. Et vous pliez les jambes. On revient, on fait le transfert. Donc, vous levez bien à chaque fois les chevilles. Voilà, pour ne pas forcer sur les chevilles ni sur les genoux. Niveau 1, niveau je ne veux pas perdre de poids. D'accord. Niveau 2, on a parlé de la brièveté de l'appui. Hop, sentez que c'est tonique. Et quand vous faites le transfert, justement, les abdos, tout ça, ça bosse ensemble. Niveau 3, beaucoup plus tonique. Bon, je ne vais pas faire là-dessus. Beaucoup plus tonique. Bam, bam. Serrez les abdos. À la limite, les épaules ne bougent plus. La force, elle vient de là. Tac, tac. Allez, en vite. Allez, faites-le. Chacun son option. Dans la cadence, dans la cadence, dans la cadence. 3, 2, 1, on récupère. Niveau 2, petit footing. Niveau 3, en montant le genou, mais cool. Je démarre ce soir. Je marche. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Ouais, ça, c'est ce qu'on travaille en effet là. Les joueurs de foot américain, les petits pas. Je ne vais pas trop taper le sol à cause des voisins. Ils sont tapis, c'est lisse, mais. Allez, encore, 8, 7, je ne vais faire plus là, vous m'excuserez, 4, 3, 2, go. On refait ça une fois. Voilà, j'ai bien les bras, les épaules. Départ en 5, 4, 3, 2, allez, go. Allez, appuyez-vous sur les bras, là, tout ça, c'est hyper important, ça vous donne un point d'appui dans l'espace. Allez, encore. 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on revient. Sursaut ou step touch. Allez, expire au maximum. Encore une fois. C'est parfait. On va faire un dernier mélange. On vient de faire un combo. Ce même travail, on va l'additionner avec le travail de profondeur. On avance en genou. On recule en podium et tout de suite derrière, pam, 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 pam. Prêt, 3, 2, je fais la version soft. Go, 1, 2, sur du dégagé, 5, 6, 7, 8, hop, 1, allez, descend dans un plan vertical, 5, 4, 3, 2, je repars au niveau 2, go, 8 genoux, 5, 6, step touch, je reviens,
Je lève les pieds. 3 et 4. Et c'est reparti. Hop. Allez, je me désunis par un. Je sens l'équilibre. Il y a un transfert de part et d'autre, mais je reste à l'équilibre. 5, 4, 3. Niveau 3, je suis avec vous. 8, go. Pendulum. 5, 6, 7, go. Hop. Allez, j'appuie. Définitivement, je ne peux pas le faire, ça fait trop de bruit, mais accrochez-vous si vous pouvez le faire. 5, 4, et cette séquence-là, on la reprend encore deux fois. Go, hop. Allez, c'est là où vous récupérez un 5, 6, et maintenant vous lâchez les chevaux. Go, hop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Dernière fois, les amis, dernière fois. Objectif au loin, go. 5, 4, 3, 2, 1, go. Allez, et mes bras, et tout de suite mes bras. 7, 6, 5, 4, 3, je marche, je trottine, genou athlétique, 20 secondes. 15 secondes. Allez, soyez relâchés jusqu'au bout des doigts, bien alignés, fort dans le placement, bien dans la relance, 10 secondes. Levez le coude derrière. Levez le coude ici. 5, 4, 3, 2, 1. Et top. Je suis frustré. Je suis frustré de ne pas avoir pu la faire avec vous. Allez, soufflez pas trop longtemps. Si vous pouvez hydrater. On est plus de 300, c'est bien. Ça prouve la volonté. Alors, on va essayer de garder le cardio en haut et on va faire un travail double. Un travail d'endurance musculaire. Donc, quand les bras ils nous pèsent, que c'est lourd, qu'on en a marre. Et en même temps, on va travailler sur le tonus. Le tonus, je vous rappelle, c'est ce que vous êtes capable de faire par le contrôle. Sinon, ça s'appelle de la précipitation. On revient. Les deux bras devant, épaules relâchées. Vous avez des soucis d'épaule. Dans ce cas-là, descendez droite. Gauche, sauf que vous ne faites pas ça. Vous mettez un stop en bas. Stop et remonte. Si ça ne veut pas être aussi haut au départ parce que vous avez vraiment des problèmes d'épaule, dans ce cas-là, faites ce travail. Pour ceux qui le peuvent, c'est l'inverse. Vous partez de là, vous montez droite, gauche. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Continuez. Pendant ce temps-là, les épaules sont bien relaxes. Les épaules relaxent, les côtes descendent vers le bas. La ceinture abdominale se place peu à peu encore mieux. Périnée engagée. On gère bien son effort. Allez. Dans le site, je ne vous cache pas que je suis en train de vous préparer un cours secret. Et quand je vous dis secret, c'est vraiment un truc que je n'ai jamais vu nulle part ailleurs. Ce n'est pas encore une fois parce que c'est moi. C'est une idée qui m'est arrivée en courant l'autre fois. C'est un truc de zinzin. On peut adhérer, on peut ne pas adhérer. Il n'y a rien de violent, c'est juste une interprétation de l'effort. Là, ce que je vous demanderai justement ce soir, c'est de rentrer dans un conditionnement qui n'est pas que physique. Sentez ce que vous êtes là. Sentez ce que vous endossez comme rôle. Vous êtes là. Il y a ceux qui vont percevoir un travail tranquille de salon, machin. Et il y a ceux qui vont dire, ok, je suis dans une vraie préparation. Je sens que le moindre mouvement, j'en ai le contrôle. Et si à un moment donné, j'ai envie de lire, j'ai le relais. J'ai la commande centrale là, qui va piloter. Déjà, essayer de juste investir ce travail. Enfin, c'est facile de dire ça. On est au début de la séance, on sent rien. C'est cool. Maintenant, ce que vous êtes faire, c'est nager le dos crawlé. Donc, vous allez monter le bras droit. Au ras de l'oreille, il descend sous côté, vous ramenez devant et vous faites la même chose de côté. Inspire et souffle. Là, en l'occurrence, vous avez un travail sur les épaules, sur les bras, mais en même temps, vous devez sentir ce qui se passe là. Allez, je vais chercher avec de l'amplitude, je monte bien. Parfait, vous faites la même chose et vous allez engager un peu plus la rotation des épaules. Allez chercher le bonus là. Et là, s'il y a engagement des épaules, il y a engagement forcément de la taille et des abdos. Inspirez, souffle. Parfait, encore un battement de chaque côté. Et maintenant, vous faites la même chose avec du contrôle avec les deux bras. On ralentit pour avoir le bon geste, on descend côté, propulsion, consistance, on remonte. 1,
Ok, j'ai du mal au terme de souplesse. Attention, je vais avoir tendance à vouloir compenser avec le dos. Non, dans ce cas-là, réduisez l'amplitude, allez moins vers l'arrière, arrêtez-vous davantage devant, mais restez placé. De quelle endurance morale il parlait tout à l'heure ? Endurance mentale, endurance physique ? Je sais pas. Sinon, je m'en fous, moi je sors rien alors. Parfait, on descend bien dans les jambes, on est fort justement. On est dans notre rôle là. On est en mode athlète au bord des bassins. C'est une finale olympique qui va se jouer là. Allez, et maintenant d'ici, on est sur le plot de départ, on est accroché, on déclenche droite, gauche. Plus de tenus, moins d'amplitude, plus d'engagement au niveau de la sangle abdominale. Go, inspire et souffle sur 3. Inspire et souffle sur 3. Vous pouvez inspirer sur 2 mouvements. C'est comme on parlait de tenus tout à l'heure. Là, je suis dans la précipitation. Là, j'ai zéro contrôle. Zéro. Arrêtez-vous. Hein. Vous risquez de vous faire mal. Là, je suis dans le tenus. Là, vous allez sentir intrinsèquement tout ce qui se met en place. Inspire. Et souffle. Parfait. Encore. 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 1. Si vous n'avez pas d'autre choix, vous allez briquer à ce moment-là. Si vous le pouvez, vous repartez de là. Top. Maintenant, vous allez tirer les coudes vers l'arrière. Les coudes sont relativement hauts. Ensuite, vous allez lever les avant-bras à la verticale et vous montez dans un plan vertical. On revient, on resserre et on allonge. On tire, on ouvre, on lève. Allez, tirez. Tirez bien, levez les mains. Ah, c'est pas fun, ça. Limite, le travail en puissance sur les jambes tout à l'heure est passé mieux. Si vous sentez que vous avez les bras qui fatiguent, je vous invite à en faire encore deux, celle-ci la prochaine. Pour ceux qui peuvent trouver du relâchement, qui ont encore du contrôle, insistez un peu. Là, revenez, soufflez, serrez les abdos. Trouvez du relâchement. Sentez la force, la puissance, inspirez. Trois fois. Deux fois si vous le pouvez encore. Si vous sentez que vous êtes truffé par la douleur, qu'il y a des points de tension partout, alors faites un petit break. Si vous n'avez pas de peur particulière, je vais essayer de reculer au maximum, vous allez lever les bras vers le ciel. Essayez de sentir vos mains en appui aux épaules, pas en arrière, ni avec le dos. Et maintenant, du bout du doigt, je vais mettre ici pour que vous voyez bien mes doigts. D'ici, vous allez faire des cercles dans le plafond, mais pas ça. Hein. Ici, vraiment, vous pilotez comme si vous cherchiez vraiment à percer le plafond. Là. Engagez les muscles posturaux, sortez la cage thoracique. Et lorsque vous faites le transfert devant, abaissez les côtes, serrez les abdos. Allez, ralentissez bien ce travail. Ralentissez-le pour en avoir le moindre ressenti jusqu'au bout du doigt. Oh, c'est pas fun, mais c'est pas fun. Encore 5, 4, 3, 2. Parfait. Maintenant, vous allez placer un pied devant. Un pied derrière, vous placez bien le poids du corps en avant. On a fait le dos crawlé. On va faire le papillon. Vous plongez, vous ouvrez les bras sur les côtés. On ramène, go. À vous de fléchir les jambes si vous avez mal au dos. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez mettre les deux pieds côte à côte. Et si vraiment, pour X raison, vous ne pouvez pas le faire, dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est garder le dos légèrement incliné. Tirez les coudes en arrière, redressez-vous et revenez légèrement, très légèrement avant en soufflant. Allez, go. Encore une fois, ne cherchez pas à faire un mouvement vite. Essayez d'ouvrir les bras, d'inspirer, d'amener les bras vers l'avant. Le levier augmente, résistez contre la contrainte et la gravité. Et soufflez. Attention à être relax sur les épaules. Hein. Encore deux fois. Alors comme je suis un garçon extrêmement sympa et surtout que je n'ai pas envie que vous vous noyez, relâchez les bras.
Parfait. 5 secondes. 4. Placez un pied devant, un pied derrière ou les deux pieds côte à côte. Revenez tout de suite, bras en croix. Et maintenant, par le rapprochement de vos omoplates, vous remontez les bras là-haut. C'est pas les bras que je lance. S'il n'y avait pas les bras, ce serait ça, le dos. Allez, je rapproche mes omoplates, relax. Allez, vous allez sentir que ça tire dans les cervicales, là. C'est pas les cervicales que vous allez sentir, c'est votre trapèze que vous êtes en train de solliciter. Par contre, gardez la nuque alignée avec votre colonne vertébrale, ne montez pas la tête, et peut-être tournez un peu à droite et à gauche. Ça fait 10, vous pouvez vous arrêter là. Sinon, on attaque les 10 dernières. 9, 8, 7. Allez, j'ai confiance en vous. 5, 4, 3, 2, 1. Et relax. Parfait. Top, top. On poursuit le chemin. Ceux qui ne peuvent pas être sur les poignets, ceux qui ne peuvent pas faire du gainage, mettez-vous sur le dos. On va faire un travail de transfert au niveau des appuis. Alors, vous placez les bras le long du corps. Vous posez bien les pieds à plat, sauf qu'au départ, vous allez avoir les pieds relativement rapprochés. Vous allez faire attention, quand vous allez monter, vous allez décoller un peu les fesses. Les fessiers vont participer au mouvement. Vous ne lâchez pas vos abdos, vous ne lâchez pas votre périnée. Soit vous commencez complètement ce soir. Ce que vous faites, c'est ouvrez le pied droit, levez le pied droit, resserrez, levez le pied gauche, écarté, levez le pied gauche, resserrez. Pour un début ce soir, c'est parfait. Niveau 1+, on ouvre le pied droit, on garde bien le bassin dans l'axe, on serre les abdos, on vient déposer le pied gauche sur le genou droit. On revient au milieu avec les deux appuis, on écarte pied gauche, on vient toucher avec le talon droit. Voilà, les fesses sont décollées. Hein. Donc c'est juste un travail de transfert. Il n'y a pas besoin d'aller très loin sur les côtés. Hein. C'est juste de sentir que vous êtes capable de contenir et de déplacer les segments. Niveau 2, ce n'est pas du tout le même travail. Il est difficile de trouver une option. Vous allez vous placer sur les genoux. Vous placez bien les mains au milieu. Vous déportez la main gauche. Vous venez avec la main droite, touchez l'épaule gauche. Transfert des deux mains au sol, main droite et épaule gauche. Et main gauche sur l'épaule droite, pardon. Donc ça, c'est l'option un peu plus cool. Je ne suis pas très fan de cette option-là pour tout vous dire. Parce qu'au niveau des genoux, vous êtes assez contraint dans le déplacement. Donc essayez de choisir quand même ce qui vous convient le mieux. Option difficile, vous partez jambes tendues, les épaules à l'aplomb des mains, c'est le même travail. Sauf que là, on va beaucoup plus pouvoir se déporter. Allez, soufflez. Voilà, essayez de sentir qu'il y a l'appui, vous êtes fort, vous êtes stable. Vous pouvez vous arrêter là, faire un break. Vous pouvez aussi reprendre un petit peu. Et pour ceux qui le peuvent encore, on prolonge un peu l'effort. Allez. Voilà, essayez de sentir tout le travail au niveau des abdos, tout le contrôle que vous avez dans les appuis. Allez, à partir de là, encore 5 allers-retours si vous pouvez. 4. 3. 2 fois. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, hein. Vous avez plus breaké avant, évidemment. Sinon, le dernier aller-retour. Ah. Ouh. Et relax. On check la distance, mais check quand même. Allez, soufflez bien. Ouais, c'est un droit. C'est un bonheur de venir checker avec vous. On va attaquer la dernière partie. Je vais vous demander de vous allonger complètement sur le dos, si vous le pouvez. Alors, ce que l'on va faire dans un premier temps, ça va être très simple. Vous allez partir avec les mains sous les oreilles. Vous allez lever la tête et les épaules. Et avec vos épaules, en stabilisant bien votre bassin, vous allez effectuer des cercles. On l'a déjà fait. Hein. En haut, point de départ, je descends sur la gauche, je passe au ras du sol, je remonte sur la droite. Mais essayez de sentir que ces cercles-là, ces cylindres, ils ont une trajectoire verticale. Ils ne vont jamais vers l'avant.
Allez, vous inspirez en bas et vous soufflez en haut. Parfait. Ensuite, vous allez faire le mantra, mais dans l'axe. Je monte, je souffle. Toujours dans un plan vertical. Je retiens la descente, j'inspire. Allez, essayez de sentir que quand vous redescendez, vous ne relâchez jamais le tonus de vos abdos. Il reste en tension. Et vous gardez pardon, l'engagement au niveau du périnée. Allez, 5, 6, 7, 8, 9. Très bien. Lorsque vous avez fait ça 10 fois de face, on reprend les cercles, mais dans l'autre sens. À droite, en bas, à gauche. Surtout pas travailler par la vitesse, mais travailler par le contrôle. Et 10, on reprend 10 de face. Allez, 1. Laissez presque pas l'inspiration se faire complètement. Soufflez, relâchez un peu, inspirez, juste ce qu'il faut, mais gardez comme ça une tension au niveau des abdos dans l'expiration. 6, 7, 8, 9. Lâchez pas ce périnée, je me répète, mais c'est important. Et stop, vous bloquez. Ensuite, à partir de là, vous allez lever les jambes. Alors, si vraiment vous commencez ce soir et c'est trop dur, ou pour le coup dans la posture, gardez la tête au sol, vous placez les bras le long du corps, vous serrez vos pieds et vous allez effectuer là encore des cercles avec les genoux. Vous essayez de sentir que les hanches se décollent. Par contre, vous n'allez pas en avant au risque de cambrer. Donc, restez dans des cercles qui sont quand même relativement au-dessus du ventre. Si vous pouvez le faire avec les épaules et la tête pardon, décollée, faites-le, vous en faites 10 comme on vient de le faire pour les épaules. Pour le niveau 2, les jambes un peu plus tendues, un peu à la verticale. Et pour ceux qui le peuvent, les jambes relativement tendues, pointe de pied vers le plafond. Allez, go. Encore 2. Parfait, vous gardez bien les épaules bloquées. Vous stabilisez bien et maintenant vous faites venir les genoux. Pareil, genoux ou pieds au-dessus des côtes. Allez, en soufflant. Et quand vous repartez vers l'avant, ne lâchez pas totalement. Là, je freine, je contracte, mais là, je contracte également. C'est une autre contraction. C'est une contraction excentrique. Allez. Ce qu'il faut vraiment, c'est qu'on enlève toute la prise de vitesse. Tout ce qui peut être source d'élan, on l'efface. On reprend les cercles dans l'autre sens. Allez. C'est là que vous allez vous apercevoir que les abdos, finalement, c'est difficile à bien travailler. Et si vous soufflez bien dans le mouvement, vous allez sentir l'effet de contraction beaucoup plus intense. Encore une. Soit vous briquez, soit vous revenez à nouveau. Jambes fléchies ou jambes tendues avec les pieds ou les genoux au-dessus de la poitrine. Ah, il n'y a pas besoin d'avoir une course musculaire très importante. Hein. Il faut sentir que les abdos font levier pour rapprocher. Il est là le secret. Ah, 6, 7, 9, 10. Je vous invite à reposer pied droit, pied gauche. On remonte avec les épaules, petit là-haut, 1, 2, rappelez-vous la descente est incomplète, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on met un stop, on met un break, on inspire, on repart pour 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on met un stop, on bloque, on reste. Soit vous restez là-dessus, soit vous remontez les genoux, vous associez les deux, les genoux viennent vers la poitrine, les épaules montent vers le ciel, soit vous faites la même chose avec les jambes tendues. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, je suis sûr que vous y pensez. Mais méfiez-vous du corps. Des fois, il fait des choses dans votre dos. Ne le laissez pas prendre de l'élan. Allez, on refait la même, encore 2, 4. Allez, s'il peut gruger, il va gruger, hein. Il va prendre des raccourcis.
C'est pour là qu'on parle de conscience, maître de la conscience. C'est obtenir un autre résultat. Ça fait 10, vous pouvez vous arrêter là pour ce soir, c'est très bien. Soit encore 10 et ça sera la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est là où on parle de sortir de la mécanisation. 7, 8, 9 et 10. Ouh. Eh bien, je ne sais pas où. Mais moi, j'ai senti mes abdos. Cool. C'est fait. On a fini. Grand bravo. 18h50, j'ai dépassé de 5 minutes. Mais bon, je pense que c'est respectable. J'espère que vous avez senti les consignes. Parce que, encore une fois, je sais, je parle beaucoup. Mais c'est important, vraiment. Si vous voulez vraiment avoir un résultat sur le ventre plat, sur la silhouette, ne pas vous faire mal, ni au dos, ni au niveau viscéral, c'est important de sentir justement comment contracter. On contracte effectivement par la respiration, ça c'est un premier levier, mais justement avoir les bons leviers de force pour tracter et effectuer un geste de qualité, ça aussi c'est hyper important et c'est pas toujours évident à ressentir. Merci pour tout. Pourquoi je serai pas là de samedi soir? Je vais chercher mon petit pic à la gare, bon, je pense que je serai sur les bouchons. Donc, ça sera peut-être difficile de pouvoir être là à l'heure. Donc, mille excuses. Mais par contre, j'ai prévu de vous enregistrer, un challenge, histoire de faire un truc sympa et de proposer quand même une alternative. Bonne soirée à tous et on se retrouve mercredi. Salut!